Voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la Terre, et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne, le royaume de Mercie, en plein tourment. On nous observera depuis les arbres, des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ramsey, entrez les rames! Tout le monde debout! Il a aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Suite! Approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu! Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt! Repartons! Oui! Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non, mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Les quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu Timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde! Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halt ! Arrêtez les navires ! Ça y est, les... Restez là ! Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne ? Est-ce qu'on peut la couper ? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si des ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement.
Les gardes sont vigilants par ici. Aide-moi, deviens mes yeux. La chaîne est énorme, et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir.
La voie est libre. La chaîne a été libérée. Eivor, au navire. Ils seront bientôt. Il n'y a pas d'autre surprise. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, oh, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver. Non. Allons voir ça de plus près. Ils ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas de navire. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Qui sont ces hommes ? Ils ont un accent curieux. Anglais, sans doute. Dag, Eivor, sur moi. Ça, une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer, et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc, et prends ton arme. Oh! Reviens ici! On les tue tous! Massacrez-les, chiens de païens! Les désirs vont être exaucés, Dag. Je sens bien, je sens déjà chez moi! Tu as de l'argent sur ton chevet.
تهرب مسكين بول Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Tu fais partie de ces brigands ? Sigurd, Dag, par ici ! Ils avaient des prisonniers. Toi là, détache-nous ! Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous ? Yanné, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie, je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvé ici ? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Havdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. On les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie, pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Une idée, peut-être ? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis, n'est-ce pas, Dag ? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Farnberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étranger, puis ami, puis frère. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Thank you.
beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercy, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet dépourvu de noms. Pas de nom, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des grands corbeaux. Ça me plaît. Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Nous aurons besoin de ressources, de marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé, et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Beau travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'autre ? Surtout des notes, des morceaux de plans, de vieilles lettres, quelques messages de pierres runiques. Il a fallu du temps.
L'endroit n'est pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout. Il vaudrait mieux me relâcher, sinon... Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage... Le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Oh, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte. Et fais-en un meilleur usage qu'eux. Thank you.
Eivor, pour te servir. Tendez l'oreille et écoutez. Pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin, nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs. Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Ah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. Par ici. On a tout ce dont Gunnar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage. Ah, on est erreur. Yeah.
savais. Tiens, un beau putain, filons. Voilà comment on fait. Faisons tomber cette crevure. Arwah, ma tkhafch. Tu aurais dû filer, petit lapin. L'accès à cet endroit est interdit. Qu'est-ce que je m'occupe ? Madame Macan? Son destin va se rattraper. Ah.
vite. Entre les trois. Et what?